Donc merci d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir de voir que les voyages intéressent beaucoup de monde et pas forcément que des étudiants de l'UTT. Donc cette conférence, c'est la dernière du semestre organisée par l'Association des jeunes entrepreneurs, par Interlink, et en partenariat avec le IEC, l'incubateur étudiant de la Technopole de Lauban-Champagne, l'Université de Technologie de Troyes et le Bureau des étudiants de l'UTT. Donc pour cette conférence, interviendra Ludovic Hubler, qui va nous parler de son tour du monde réalisé en autostop et bateau-stop. Donc pendant son tour du monde, il a choisi de partager son expérience. Il va expliquer un peu comment il a organisé tout ça. Et également, il va intervenir sur le tourisme engagé à travers son association Travel with the Mission, dont il est le président. Mais il en parlera beaucoup mieux que moi, du coup je vais le laisser prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde, ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui, ravi d'être dans cette belle ville de Troyes que je découvre pour la première fois, j'ai beau avoir fait le tour du monde, mais Troyes, j'avais jamais eu l'occasion de découvrir cette belle ville, donc merci beaucoup à l'association donc des jeunes entrepreneurs et notamment à Nicolas d'avoir organisé cette conférence, c'est donc un vrai plaisir d'être avec vous. Alors j'espère que vous êtes prêts pour faire le tour du monde, j'espère que vos passeports sont prêts parce qu'on va en faire un certain nombre de kilomètres ensemble, et vous savez qu'après... Certains d'entre vous ont certainement déjà voyagé. Quand le virus du voyage vous pique, difficile de s'arrêter. Hein. Plus on voyage, après c'est une drogue. Hein. Plus on voyage, plus on a envie de voyager. Donc faites attention, si ça vous prend, vous pouvez encore sortir. Hein. Alors, je vais parler un petit peu de ce tour du monde. Je vais expliquer, en fait, la présentation va être en deux parties. Tout d'abord, je vais parler de ce tour du monde en stop. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi en stop? Qu'est-ce que j'ai appris sur la route? Et la deuxième partie, je vais parler d'un thème qui m'est cher, avec une conclusion plutôt optimiste. La paix est possible. Donc, où je parlerai notamment de mes expériences dans les pays en guerre, etc. Donc, on reviendra là-dessus. Mais avant tout, les raisons d'un départ. Qu'est-ce qui m'a poussé à partir faire ce projet fou, qui est un tour du monde uniquement en stop? La première raison, c'est tout simplement la réalisation d'un rêve d'enfant. Ça, c'est moi quand j'avais quelques années. Et quand j'avais environ 8 ans, j'avais la tête dans les atlas à me dire « Un jour, je ferai le tour du monde ». Je disais à mon père « Tu sais, papa, moi, quand je serai grand, je ferai le tour du monde ». Il disait « Vas-y, continue à jouer ». Et j'ai gardé cette idée en tête. Je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Donc, quand j'avais environ 16 ans, ma maman, comme toutes les mamans, était très protectrice. Elle voulait toujours m'emmener à droite, à gauche. Et mon père disait toujours « Mais arrête de le cocooner comme ça. Il faut qu'il soit indépendant, faut qu'il soit débrouillard. » Laisse-le faire du stop. Alors j'ai commencé à faire du stop sur les routes alsaciennes. Je viens d'Alsace à l'origine. Donc entre Trüchtersheim et Krautergersheim, au début, tout penaud au bord de la route, je me sentais vraiment pas à l'aise. Je disais, oh là là, il y a des gens qui vont me reconnaître. Je me sentais honteux. Et progressivement, j'ai eu des gens qui m'ont pris en stop. Ça s'est bien passé. J'apprenais beaucoup. Et puis pour une jeune personne comme moi, voyager gratuitement, c'était aussi intéressant. Donc... J'ai commencé à faire le tour de l'Alsace, puis le tour de France, en utilisant cette technique. En général, bon, ça m'arrive d'être le pouce tendu au bord des routes, mais souvent je vais dans les stations-service, parce que dans les stations-service, ce n'est pas les gens qui me choisissent, c'est moi qui choisis les gens. Celui-là, non, je ne le sens pas. Celui-là, il a trois personnes dans une voiture. Celui-là, bonjour monsieur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop, je souhaite aller dans la direction de Shanghai, de Beijing, de Jakarta. Est-ce que vous allez dans cette direction? Oui. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de me déposer un peu plus loin dans une autre station-service? Et j'allais comme ça de station à station. J'essayais d'être habillé correctement. Bon, peut-être pas comme ça, mais j'étais habillé en jean en général et j'essayais d'être propre autant que possible. Et donc, j'utilisais cette technique et j'avançais petit à petit. Donc, j'ai fait ce tour d'Europe d'abord après le tour de France. Et je me suis rendu compte au fil du temps que le stop était en fait une excellente école de vie. Comme disait un journal en Argentine qui titrait sur mon aventure, « Asistiendo a la mejor escuela de vida », qui veut dire « vivant la meilleure école de la vie ». Et je pense effectivement que le stop est une excellente école de vie. Une école de persévérance. Des fois, il y a 100 personnes à la suite dans les stations qui disent « non, 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 non ». Mais il faut garder le sourire, penser que la 101e peut être la bonne, donc ne jamais abandonner, continuer. École de patience. Vous pouvez imaginer que sur un tour du monde en stop, des heures d'attente, il y en a eu un certain nombre, donc forcément, il vaut mieux être patient. École d'attitude positive, regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide, donc toujours, quoi qu'il se passe, regardez les choses du côté positif. École de débrouillardise, là aussi, vous pouvez aisément imaginer que sur un tour du monde en stop, des situations où je me suis retrouvé au milieu de nulle part à me dire « mais je ne vais jamais me sortir d'ici », et on trouve toujours des solutions, donc être débrouillard, trouver une solution à chaque problème, donc école de débrouillardise.
capacité d'adaptation. Quand on fait du stop, on rencontre toutes sortes de gens, de milieux sociaux, milieux culturels très différents. On peut être 3 heures avec un ministre et 5 minutes plus tard, 3 heures avec le mécano du coin. Et il faut bien entendu s'adapter aux différentes personnes avec qui on est. École de tolérance, apprendre à dire, comme on dit en anglais, « It's not right, it's not wrong, it's just different ». Donc quand je parle dans les écoles, souvent je demande aux gamins de répéter après moi, mais école de tolérance. École d'ouverture d'esprit, bien entendu, plus on voyage, plus on ouvre son esprit sur le monde qui nous entoure, et école de diplomatie. Donc tout ça me fait dire que le stop est une excellente école de vie, et le stop a vraiment joué un rôle important dans le façonnement de mon caractère, de qui je suis. J'ai énormément appris par ce biais. Et ce tour du monde, pour moi, c'est intégré entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle, comme ce que j'aime appeler mon doctorat de la route. Un doctorat où mon professeur n'était pas dans une salle de classe, mais au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau, et tous avaient quelque chose à m'apprendre. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai eu un master en école de commerce. Ce master m'a appris beaucoup de choses, mais ne m'a rien appris des misères et des richesses du monde. Donc l'objectif premier de ce tour du monde, c'était quelque part un voyage initiatique pour réaliser mon rêve, pour tout simplement mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure, sortir un petit peu des médias qui nous rabattent tous les jours des mauvaises nouvelles, etc. Essayer de me construire des points de vue en rencontrant les populations locales à travers le monde. Donc j'y étais avec l'état d'esprit d'une personne qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir. La population française fait 1% de la population du monde. Mon objectif, c'était tout simplement essayer de mieux connaître et comprendre un petit peu mieux les 99%. Alors ce tour du monde a duré 5 ans. Il y a des gens qui disent, mais 5 ans, c'est beaucoup. Si je vis 5 ans, c'est que 5... si je vis 100 ans, c'est que 5% de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure? Moi, je ne trouve pas que ce soit énorme. Après, ça, c'est une question de point de vue. Mais alors, en fait, au départ, je n'étais pas parti pour 5 ans. Pour tout vous dire, j'étais parti pour 2 ans. Mais après, il y a un certain nombre de choses, j'en parlerai tout à l'heure, qui ont fait que je suis passé de 2 ans à 5 ans. Et donc, je suis parti du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008. Donc, 5 ans exactement. Alors, quelques citations que j'aime beaucoup, qui résument un petit peu toute l'idée. Donc, prends garde à tes pensées, elles deviendront des paroles. Prends garde à tes paroles, elles deviendront des actes. Prends garde à tes actes, ils deviendront des habitudes. Prends garde à tes habitudes, elles deviendront ton caractère. Prends garde à ton caractère, il deviendra ton destin. When there is a will, there is a way. Ou comme on dit, Dominique Glocheux a écrit, et j'aime beaucoup cette phrase, la vie n'est pas un restaurant, mais un buffet. Levez-vous pour vous servir, les choses ne viennent pas comme au restaurant, il faut faire l'effort de se lever, mais quand on fait l'effort de se lever, on peut choisir la vie qu'on veut, en tout cas nous, jeunes occidentaux, c'est le cas souvent. Donc j'aime beaucoup ces petites phrases. Alors le défi à relever pour moi était non seulement de faire le tour du monde en stop, mais faire le tour du monde en dépensant zéro de transport, donc ça n'avait jamais été fait comme ça uniquement en stop. Alors se poser une question pour moi, celle de la faisabilité. Est-ce faisable de faire un tour du monde en stop? Est-ce faisable de faire du stop en Asie, en Afrique, en Amérique latine? J'en avais aucune idée. Alors j'ai regardé les cartes du monde à me dire, bon, il y a des routes partout, il doit y avoir des voitures partout, il doit y avoir des chauffeurs partout, il doit y avoir du stop partout. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Alors il y avait deux petites exceptions. Un, à l'intérieur des villes, quand je voulais aller d'un quartier à un autre à l'intérieur d'une ville, je m'autorisais à prendre les transports locaux, les bus locaux ou autres, donc à l'intérieur d'une ville. Et quand je faisais un aller-retour, si j'étais à New Delhi, je voulais visiter quelque chose et revenir, à partir du moment où je revenais au point de départ à New Delhi, je m'autorisais dans ce cas-là à prendre les transports locaux aussi. Mais sinon, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, toujours en stop. Donc la faisabilité, j'en ai parlé. Alors après, donc la préparation, comme dirait Confucius, celui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié, quel que soit le projet, vous le savez bien. La préparation est indispensable. Donc moi, j'ai terminé mes études en juin 2002. Et donc, il y a eu la préparation, vaccin, visa, etc. Donc voilà, préparation indispensable. Alors le trajet, on va revenir sur le trajet, mais je vous le montre déjà sous forme de carte. Départ de France le 1er janvier 2003. Descente sur l'Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, donc traversée d'une partie du Sahara occidental. Ensuite, se poser un problème pour moi. Comment traverser de l'Atlantique jusqu'au Brésil? J'avais à ce jour jamais fait de bateau stop. Donc je suis allé voir les voiliers, enfin d'abord les cargos, les gros cargos, en demandant, voilà monsieur, bonjour monsieur le capitaine, je m'appelle Ludovic, je suis français, je suis prêt à travailler sur votre cargo contre un trajet gratuit. Alors c'était jamais déjà évident de parler au capitaine, parce qu'il y a un certain nombre de sécurité, enfin il y a sécurité à passer, etc. Et puis quand je leur parlais, tous ils me disaient la même chose, ils disaient, bon, c'est bien sympa ton projet, mais moi,
je ne peux pas prendre la décision. Ça marchait il y a 30 ans. On appelait ça le hand against bed. Tu travailles contre un trajet gratuit. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'assurance, des raisons opérationnelles, des raisons de sécurité, une journée de navigation d'un gros cargo comme ça, c'est 100 000 $. Vous imaginez, tu te casses une jambe, il faut faire un aller-retour, on perd 2-3 jours. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. Donc, avec les cargos, aujourd'hui, c'est très compliqué. J'ai fait finalement, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, j'en parlerai, j'ai fait quand même du cargo stop, donc ça marche quand même, mais c'est très compliqué. Alors, je me suis orienté vers les voiliers. Bonjour, monsieur le skipper, je n'ai aucune expérience de voile, mais je suis prêt à apprendre. Est-ce que je peux venir et je suis prêt à laver la vaisselle, à peler les patates, à tirer les drisses, etc. Je me suis pris un certain nombre de réponses négatives, vous pouvez imaginer. Aussi, ce qui est important pour les voiliers, si un jour ça vous passe par la tête de faire du voilier stop, le meilleur endroit, c'est les Canaries notamment, Las Palmas, éventuellement Gibraltar ou le Cap Vert. Et le meilleur moment, ça c'est important, c'est septembre, octobre, novembre, voire décembre. La grande majorité, 95% des voiliers qui traversent l'Atlantique le font à ce moment-là, parce que c'est là que les vents poussent le mieux. Donc, mais moi, j'étais là au mois de mars, donc j'étais hors saison, donc ça complique les choses. Donc il m'a fallu finalement 7 semaines pour que je puisse trouver un voilier qui accepte de m'emmener. Alors je vous passe tous les détails parce qu'en fait j'avais déjà trouvé un autre voilier, mais c'était un couple qui s'engueulait, j'ai dû jouer au psychologue, médiateur, etc. Le mec a renvoyé sa femme, elle dit tu retournes chez ta mère et puis toi le bateau stopper, tu retournes, tu sors aussi. Enfin je vous passe les détails mais ça m'a fait perdre du temps. Et donc, ça c'était dans les îles des Canaries, parce que j'avais dû passer par les Canaries, et donc ça m'a permis de découvrir un peu des Canaries, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie d'un bateau stopper. Mais finalement, donc, j'ai trouvé un couple de Français qui faisait un tour du monde en voilier, et qui ont accepté de m'emmener jusqu'au Brésil, 16 jours de traversée jusqu'au Brésil, j'ai fait aussi une mission humanitaire dans l'intérieur du Brésil, et je suis descendu jusqu'à Ushuaia. Vous connaissez peut-être Ushuaia, donc la ville la plus au sud du monde, en Argentine. Et quand j'étais à Ushuaia, je me suis dit, tiens, je ne suis plus très loin de l'Antarctique. Ça serait quand même sympa de faire du stop jusqu'en Antarctique. Ça ne faisait pas partie du plan de départ, mais quand j'étais tout près, je me suis dit, il y a des brise-glaces, je vais tenter le brise-glace stop. Et donc, j'étais voir les brise-glaces et les capitaines, les uns après les autres. Je me suis pris bien 100 ou 150 réponses négatives, mais la 151e ou je ne sais combien a été positive. Donc, la persévérance a payé et j'ai pu aller avec des scientifiques. Il y avait aussi quelques touristes sur le bateau qui payaient, eux, le prix fort. Mais moi, je travaillais dans la cuisine, notamment. Je coupais les tomates, etc. Et finalement, j'ai donc pu aller pendant 3 semaines sur le continent blanc, un endroit absolument formidable. Je suis ensuite remonté par le Chili, Pérou, Équateur. En Équateur, il y a eu un moment important. Je rencontre un professeur d'une école qui me dit « c'est assez unique ce que tu fais, c'est sympa, viens dans mon école, viens partager ton aventure avec mes étudiants, ils ont 12-13 ans, et en même temps tu as été en Antarctique, profites-en pour faire passer des messages sur la protection de l'environnement ». Je n'avais jamais fait ça, je me suis dit « pourquoi pas, c'est intéressant ». Je me retrouve devant une 50aine de gamins, et je partage mon aventure, beaucoup de questions, de l'intérêt. Moi, je prenais grand plaisir à faire passer des messages en même temps. Je me suis dit, tiens, je vais arriver vers les États-Unis, un pays que je connais plutôt bien, vu que j'étais étudiant pendant un an avant aux États-Unis et pendant mes études. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre une année de ma vie pour faire une tournée de conférences. Je vais aller dans les universités, les écoles, les alliances françaises, les Rotary. Je vais contacter tout le monde pour à la fois partager mon aventure, insister sur l'importance d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves, mais en même temps essayer de sensibiliser aux problématiques environnementales. Donc, depuis l'Équateur, c'est ce que j'ai fait, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, États-Unis, Canada, et donc j'ai fait pendant un an 114 conférences, donc qui m'ont permis aussi de gagner un petit peu d'argent et de continuer l'aventure. Et en prenant cette décision de faire cette tournée de conférences, je prenais en même temps la décision que mon tour du monde ne serait pas 2 ans comme c'était prévu au début, mais plus. À ce moment-là, je ne savais pas que ça allait durer 5 ans. Mais je me disais, on verra, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je me suis rendu compte, en tout cas, que j'avais plus à apporter et plus à apprendre aussi. Donc, et puis je me suis dit, finalement, je n'avais pas de copine à ce moment-là, etc. Je me suis dit, personne ne m'attend et que ça dure 2 ans, 5 ans, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc, je suis ensuite redescendu jusqu'à Panama parce qu'il fallait que je trouve un bateau pour traverser le Pacifique. J'ai essayé depuis Vancouver, ça ne marchait pas, ce n'était pas la bonne saison. Je suis descendu à San Francisco, Los Angeles, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, ça ne marchait pas. Donc je suis redescendu jusqu'à Panama City, qui est le meilleur endroit pour trouver un bateau pour traverser le Pacifique avec le canal. Et alors là, l'endroit, si ça vous passe par la tête, le meilleur moment, c'est janvier, février, mars. C'est les 3 meilleurs mois pour trouver un bateau. Et moi, j'y étais au mois de septembre, donc j'avais une fois de plus tout faux.
J'avais tout faux, mais bon, finalement, après de longues recherches, je trouve un voilier qui accepte de m'amener de Panama City, c'était un Néo-Zélandais, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc 4 mois de traversée, en s'arrêtant dans différentes îles. Alors 4 mois, c'est beaucoup, effectivement, parce que le Pacifique est absolument immense. Vous savez que si vous mettez tous les pays, tous les continents du monde ensemble comme un grand pays, ça sera toujours plus petit que l'océan Pacifique. Donc mettez l'Afrique, l'Asie et tout ensemble. Ensuite, en fait, entre Panama City et l'Australie, on est à 14 000 km avec une vitesse moyenne sur un voilier qui tourne, pour le mettre en kilomètres heure, ça fait 9,25 km heure, on faisait. Donc ça ne va pas vite du tout. Alors, je n'étais pas rassuré quand je l'ai rencontré parce que je suis allé sur son bateau et sur le bateau, il avait un livre, La voile pour les nuls. Je me suis dit, bon, c'est pas très engageant. Alors lui, il me dit, ah, tu tombes bien, ma femme ne voulait pas que je traverse le Pacifique tout seul. Viens, on y va, on va traverser à deux. Donc on était tous les deux très contents. Lui, son plan à lui, son rêve à lui, c'était d'acheter un bateau dans les Caraïbes, de traverser le canal de Panama et de retourner en Nouvelle-Zélande où il venait pour revendre plus cher son bateau, parce qu'on peut l'acheter moins cher dans les Caraïbes, et revendre plus cher en Nouvelle-Zélande. Et moi, je le rencontre donc au canal de Panama. Et alors, la traversée s'est plutôt bien passée, malgré 2 accidents, vous verrez les photos tout à l'heure, où on était à ça de couler. Une fois, on a heurté un rocher, une fois, on s'est écrasé sur des récifs, donc il y a eu beaucoup de dégâts qui lui ont coûté très cher, donc je ne pense pas qu'il en soit sorti gagnant au niveau financier. Il ne voulait pas prendre d'assurance, il disait c'est trop cher, c'est toujours trop cher quand il ne se passe rien. Mais donc, finalement, j'ai pu aller avec lui jusqu'en Nouvelle-Zélande, puis ensuite trouver un cargo qui m'emmène en Australie, 6 mois de stop en Australie. Ensuite, l'Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Chine, Corée du Nord. Alors, Corée du Nord, c'est le pays le moins visité au monde. Et là, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, Pékin, Corée du Nord, Pékin, c'est le seul endroit où je n'ai pas fait de stop. Donc, c'était une parenthèse. Parce que non seulement c'est interdit de faire du stop, mais interdit, c'est interdit dans plein d'endroits de faire du stop, même dans une trentaine d'États américains, c'est interdit de faire du stop. Dans plusieurs provinces australiennes, c'est interdit de faire du stop. Au Tibet, je vais en parler, c'est interdit de faire du stop, mais j'en ai fait quand même. Mais le risque encouru n'est pas le même qu'en Corée du Nord. Parce que même au Tibet, le risque, c'est de se faire, on se fait mettre en tôle, on se fait expulser du pays, mais en Corée du Nord, on se fait descendre. Donc ce n'est pas un risque que je voulais prendre. Donc, ou alors de finir au goulag, mais j'en avais pas une grande envie. Donc j'ai fait une parenthèse, donc, et j'ai passé 5 jours en Corée du Nord. C'était un marathon administratif pour avoir le visa. C'est un petit peu comme aller dans l'Union soviétique des années 50 sous Staline, donc faire un plongeon dans un livre d'histoire. Donc vous verrez quelques photos tout à l'heure. Ensuite, je suis allé vers Oulan-Bator, traverser le désert de Gobi au mois de janvier, moins 30 degrés. Et ensuite, traverser du Tibet. Alors, en général, quand je voyage, je cherche à rester légal. Je cherche à ce que les visas soient en ordre, etc. Sauf qu'au Tibet, j'étais illégal pour 3 raisons. 1, le stop est absolument interdit. Autant dans le reste de la Chine, ce n'est pas interdit, ça marche bien. Même la police m'a souvent aidé à trouver des voitures, des camions, etc. Donc, dans le reste de la Chine, il n'y a pas de souci. Par contre, le Tibet est un sujet sensible et le stop y est absolument interdit. 2e chose, chaque voyageur étranger allant au Tibet, en plus du visa chinois, doit avoir un permis spécial. Mais pour avoir ce permis spécial, il faut un type de transport. De bus, de train, d'avion, ce que vous voulez. Faisant du stop, je n'avais pas de permis, enfin pas de type de transport, donc pas de permis. 3e chose, depuis la ville de Lhasa, qui est la ville principale au Tibet, il y a 5 routes qui partent de Lhasa. 3 fermées aux étrangers, 2 ouvertes aux étrangers. Et moi, j'étais sur une route fermée, donc sur une route fermée, en stop sans permis. Et avec, entre la ville de Chengdu, qui est en Chine, et Lhasa, il y avait à peu près 2500 km. C'est les montagnes, là on est dans l'Himalaya, ça monte à 6000 mètres, les routes. Et là, il y avait une quinzaine de checkpoints, et chaque checkpoint, c'était toute une aventure. Parce que souvent, les gens acceptaient de me prendre jusqu'à 1 km avant le checkpoint. Tout le monde savait où sont le checkpoint, mais les gens ne voulaient pas traverser avec moi le checkpoint. Bon, il y en a 2-3 qui m'ont dit, mets-toi sous une couverture et on passe, et c'est passé. Mais la plupart, ils disaient, je te prends jusqu'à 1 km avant le checkpoint. Et donc, à chaque fois, il fallait que je me débrouille à les contourner, etc. C'était toujours tout un bordel, donc toute une aventure. Mais bon, j'ai finalement pu rejoindre quand même Lhasa et ensuite 800 km de plus pour rejoindre le Népal. Et ensuite l'Inde, 6 mois en Inde à faire le tour du pays. J'étais notamment volontaire chez Mère Teresa à Calcutta pendant un moment. Et ensuite, Pakistan, Afghanistan. Alors, l'Afghanistan, c'est le seul pays où j'ai fait du stop organisé. C'est-à-dire que je ne voulais pas me retrouver au bord des routes afghanes comme ça, vous le comprendrez. Donc,
Je suis allé dans les compagnies de transport à Peshawar, donc au nord du Pakistan, et j'allais voir, bonjour, je sais que vos camions vont de temps en temps jusqu'à Kaboul, est-ce que vous êtes prêt à me prendre? Et souvent, on me répondait toujours la même chose. On me disait, désolé, il y a deux choses qu'on ne prend pas dans nos camions, la drogue et les occidentaux. Bon, ok. Et finalement, j'ai trouvé un dentiste qui faisait du trafic de fausses mâchoires et qui allait... il allait à Kaboul et il a accepté de m'emmener. Donc je ne voulais pas me retrouver au bord de la route, surtout dans les zones tribales pakistanaises. Parce qu'en fait, à un moment, quand on sort de Peshawar, on sort de la loi pakistanaise pour rentrer dans les zones tribales. Vous savez qu'il y a une partie du Pakistan qui est considérée comme... Enfin, c'est des zones tribales et c'est la loi tribale qui prévaut. Et donc, c'est le genre d'endroit où on vend partout les armes, les kalachnikovs, etc. Où on vend de la drogue comme ça. Donc, alors moi, j'avais une barbe de 3 mois et j'avais le chalwar kameez, l'habit traditionnel. Donc, tous les gens pensaient que j'étais afghan. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il ne fallait pas que je parle et je pouvais me balader comme je voulais. Mais j'étais donc avec ce gars... Et donc, on est allé ensemble jusqu'à Kaboul. Donc, j'ai pu traverser la frontière sans souci. Et donc, rejoindre Kaboul. Et de Kaboul, j'ai trouvé une ONG qui m'a emmené à Kunduz. Et après de Kunduz, quelqu'un d'autre qui m'a emmené jusqu'au Tadjikistan. Donc, voilà. C'était, je ne voulais pas me retrouver au bord des routes comme ça. Donc, j'ai trouvé des gens qui m'ont emmené. Après, les zones véritablement dangereuses de l'Afghanistan, où se passent 95% des enlèvements, c'est la zone qui s'appelle Helmand, où il y a la ville de Kandahar. Donc, ça, c'est le sud-ouest. Et ça, je ne voulais bien entendu pas y aller. Donc Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Iran, et après Turquie, Bulgarie, Serbie, Croatie, Autriche, Allemagne, et retour en France, donc 5 ans plus tard, le 1er janvier 2008. Alors on va faire le même tour du monde, mais en photo. Ça va, je ne vais pas trop vite Alors. Alors là, départ le 1er janvier 2003 de France, donc sous la neige avec des amis, et ensuite traversée du Sahara, donc pas beaucoup de trafic, hein, vous pouvez imaginer. Donc j'allais de petit village en petit village, donc je me débrouillais pour ne pas être laissé au milieu, donc je dormais sous ma tente, les nuits sont froides dans le Sahara d'ailleurs. Et donc ensuite, au port de Dakar, ici, aller voir les bateaux les uns après les autres, donc ça m'a pris 7 semaines, comme je dis, c'est toujours assez long de trouver un bateau. Et donc j'allais voir ensuite les voiliers, donc j'ai dû passer après vers les Canaries, vers le Cap Vert, et donc j'allais voir comme ça, on m'avait prêté un petit bateau, bonjour vous allez au Brésil, bonjour vous allez au Brésil, bonjour vous allez au Brésil, et donc on me répondait toujours négativement, jusqu'à ce que ce voilier, donc un couple de Français, on va dire, qui cherchait quelqu'un aussi, donc ça tombait bien pour les aider, a accepté de m'emmener jusqu'au Brésil. Donc là, vous avez une photo de toute ma vie pendant 5 ans, c'est tout ce que j'avais, donc suffisamment d'affaires pour 8 jours à l'arrière et quelques affaires devant. Donc Ushuaia, fin del mundo, la fin du monde, qui est la ville la plus au sud du monde. Et quand j'étais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je tentais donc le brise-glace top. Et donc j'allais voir les capitaines des brise-glaces les uns après les autres. En même temps, j'avais trouvé un petit boulot en tant que serveur dans un restaurant, ce qui me permettait donc, pendant que je cherchais, de ne pas perdre d'argent en même temps. Et donc j'ai trouvé ce brise-glace qui acceptait de m'emmener sur le continent blanc, un endroit absolument magnifique. Vous voyez, donc, c'est 360 degrés d'émerveillement. Moi, j'imaginais ça plat, comme le nord, à vrai dire, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est un ami rencontré sur place. Et ensuite, remonter par la côte pacifique, donc un pied dans le sud, un pied dans le nord, latitude 000, la mitad del mundo. Ensuite, la traversée de la Colombie, donc ça, c'est simplement un contrôle de routine. Ils vérifient que je n'ai pas de drogue ou d'armes, donc il fallait faire attention, bien sûr, mais ça se passait bien quand même. Ensuite, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, Belize aussi, jusqu'aux États-Unis, Canada, où j'ai donc fait cette tournée de conférences pendant un an. Donc, à travers 100, j'ai eu 114 conférences pendant un an. Donc, comme dit, dans toutes sortes d'institutions. En fait, quand je suis arrivé à Houston, j'ai logé chez un ami, j'ai fait un document PDF, j'ai fait une présentation PowerPoint et j'ai envoyé ce document PDF à travers les États-Unis et le Canada et j'ai eu un certain nombre de réponses, ce qui m'a permis de m'organiser en février, je suis en Floride, en mars, je suis là, etc. etc. Et donc, voilà. Et ensuite, il fallait que je trouve donc ce bateau pour faire la traversée du Pacifique et c'est avec cet homme-là, donc on vaut mieux bien s'entendre hein, pendant 4 mois ensemble, c'est sûr qu'il n'y a pas possibilité d'aller très loin quand on est au milieu du Pacifique. Et donc voilà, faire la nourriture, faire laver la vaisselle, etc. Enfin, tout le travail d'équipier. Essayer de trouver un petit peu de nourriture fraîche de temps en temps.
Parce que les canettes, ça va un moment, mais on est bien content d'avoir un petit poisson frais de temps en temps. Ça, c'est un des deux accidents qu'on a fait. Donc, c'est écrasé sur des récifs dans les îles Cook. Et finalement, on s'en est sorti et on est arrivé jusqu'en Australie. Donc, le stop en Australie marche plutôt bien, malgré une certaine culture de la peur. Les gens ont peur parce qu'il y a eu des histoires d'agression dans le passé, notamment les road trains, qui sont les camions-trains qui font des centaines de kilomètres en ligne droite, toujours très impressionnant. Et là, vous avez une image donc, de toute ma vie pendant 5 ans. Je dormais régulièrement au bord des routes comme ça, ben, ça fait partie de l'aventure. Alors après, en Asie, se posait un problème pour moi, la langue. Je ne parle pas de langue asiatique, donc je faisais ce que j'appelais un document magique qui disait « Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 29 ans. Depuis le 1er janvier 2003, je fais le tour du monde en stop. Mon défi est de faire le tour du monde uniquement en stop sans utiliser l'avion, le train, le bus, le taxi. Je souhaite aller dans la direction de Shanghai ou Beijing. Est-ce que vous allez dans cette direction? Si oui, est-il possible de me déposer un petit peu plus loin? Merci beaucoup, désolé, je ne parle pas chinois, bonne journée. » Donc les gens dans les stations, ils lisaient ça, ils disaient « Ah ok, allez, bien, on y va ». Et puis les policiers m'aidaient comme ça. Donc j'avais aussi des coupures de presse dans les journaux qui parlaient de l'aventure, etc. Donc ça m'aidait malgré la barrière de la langue. J'arrivais quand même à me faire comprendre. J'avais aussi une carte du monde plastifiée qui m'a beaucoup aidé si vous voyagez autour du monde. Et un classeur comme ça de photos, ça a été des outils qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé à travers le monde. Ici, c'est des chauffeurs de camions en Chine, par exemple. Donc, malgré la barrière de la langue, à travers ces outils, je pouvais me faire comprendre. Ici, c'est une famille en Iran, par exemple. Donc, c'est un moyen de pouvoir partager qu'est-ce que j'ai fait ces derniers mois. Là, vous voyez quelques images de stop en Asie du Sud-Est. On est au Laos. Donc, je demandais à quelqu'un de me filmer. J'étais tout seul. Et alors, quand j'arrivais dans le pays, je n'avais pas toujours ce document parce que pour avoir ce document, il fallait que je trouve une personne locale parlant et l'anglais et la langue locale. Donc, quand j'arrivais dans le pays, c'était plus avec les mains comme ça que je me débrouillais. C'était pas toujours facile. Bon, ce monsieur n'allait pas dans la direction souhaitée. Donc là, bon, à dormir un petit peu partout, il faut être prêt à... Voilà. Là, on est toujours au Laos, en fait. C'est les chemins laotiens, donc à côté du Cambodge, de la Thaïlande. Et donc là, c'est la fin de la route, début du désert de Gobi. Là, j'ai dû attendre 20 heures avant que la première voiture vienne à moi. Il faisait moins 25 degrés, donc ce n'était pas le meilleur jour de ma vie. Mais bon, j'ai finalement pu aller petit à petit, en fait, avancer avec notamment des semi-nomades mongols. Donc, ils m'ont mis notamment du lait dans les chaussettes pour me souhaiter bon voyage. C'est une tradition locale. Et donc voilà, ensuite je suis allé aussi en Corée du Nord, donc comme vous voyez, regardez bien ces images, on voit rarement des photos et des images de la Corée du Nord. Ça c'est Kim Il-sung, le père de la nation, donc le père de la Corée du Nord, le fondateur, et donc grand-père de l'actuel dictateur. Et le jour où j'y étais, ça tombait bien, c'était l'anniversaire de Kim Jong-il, qui est le père de l'actuel dictateur parce qu'il est mort il y a peu. Et donc là vous voyez donc sa photo, donc c'était des grandes soirées pour célébrer l'anniversaire. Alors là, on ne voit pas grand-chose, c'est normal, mais vous voyez peut-être un petit peu. C'est Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, by night. Ils ont des gros problèmes d'énergie, donc voilà ce que ça donne le soir. Même les feux de signalisation, ils en ont, mais souvent, ils ne les utilisent pas. Ils préfèrent mettre des femmes, ça doit coûter moins cher. Des femmes qui ressemblent plus à des robots qu'autre chose. Et ensuite, la traversée du Tibet. Donc là, on... Faire du stop au pied de l'Himalaya, c'est le pied, bien sûr, c'est très sympa, mais il faisait aussi très froid. Et puis, j'avais la peur au ventre pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. J'ai rencontré notamment pas mal de pèlerins bouddhistes, donc ils se mettent comme ça, tous les trois pas, ils font une petite prière, et ils remontent, et ils font 2000 km comme ça. Mais ça leur procure une grande satisfaction spirituelle. Et donc là, on communique comme on peut. Avec le classeur, comme je disais, qui m'a été très utile. Ça, c'est les sadhus. Là, on arrive au Népal. Donc, ça, c'est un peu les hommes saints de l'hindouisme. C'est un peu comme les moines bouddhistes, mais dans le monde hindouiste. Alors, je dis toujours que 6 mois en Inde m'ont fatigué plus que 4 ans et demi dans le reste du monde. Parce que l'Inde, il faisait en plus très chaud, jusqu'à 48 degrés. Je sortais de chaque camion avec 2 kilos en moins. Et puis, les Indiens, y en a beaucoup. Et parfois... Donc, voilà, ça, c'était quand j'étais chez Mère Teresa, volontaire. Donc, avec les plus pauvres d'entre les plus pauvres, comme elle les appelait. Donc, expérience très intéressante. Pakistan, j'ai mis cette image parce que c'est avant tout l'hospitalité. J'avais peur d'aller au Pakistan. Il s'est avéré que c'est un des pays qui m'a le mieux reçu, où j'étais invité tous les jours à manger, à prendre le thé. Là, c'est avec un garde du corps obligatoire, en fait, pour traverser les zones tribales avant d'arriver jusqu'en Afghanistan.
Et donc là, c'est des femmes en pleine discussion. Et donc là, la barbe de 3 mois, le chaloir camise, le regard dur. Et voilà, pour traverser l'Afghanistan et ensuite Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Iran. Et ensuite, le retour le 1er janvier 2008. Alors, on va continuer avec la présentation. Alors, ce tour du monde, pour moi, il était important de le partager. Je l'ai partagé via mon tour, via des conférences, je l'ai partagé via les médias de temps en temps, je l'ai partagé via mon site internet où j'écrivais plein d'articles, mais je l'ai aussi partagé via un projet pédagogique. J'étais en fait parrain d'une trentaine d'enfants malades de cancer de l'hôpital de Strasbourg et je partageais au quotidien l'aventure avec eux. Donc je leur envoyais des emails, des photos, on avait des discussions par webcam et c'était un moyen pour les professeurs de l'hôpital d'utiliser mon aventure comme support de cours. C'est-à-dire quand j'étais au Brésil, ils parlaient du Brésil, quand j'étais au Mexique, ils parlaient du Mexique. Ils l'utilisaient pour la géographie, pour connaître mieux le monde, mais aussi pour les maths, calcul de distance, de temps moyen. Ils l'utilisaient pour le dessin. Quand j'étais dans l'Atlantique, ils dessinaient des voiliers. Quand j'étais en Antarctique, ils dessinaient des pingouins. Ils l'utilisaient donc pour différentes choses. Donc ce tour du monde, c'était un moyen de leur permettre de penser à autre chose que leur maladie l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Donc, tour du monde par procuration. Donc là, vous voyez, moi, d'un côté du monde et eux bloqués dans leur chambre. Donc, on me demandait des photos de kangourous et autres. Alors, réponses à quelques questions fréquemment posées. Où est-ce que je logeais ? Je logeais un peu partout. Partout où je pouvais allonger mes 188 cm. Bon, j'utilisais beaucoup des sites internet comme Hospitality Club ou Couchsurfing. Bon, Hospitality Club, ça a plus ou moins disparu aujourd'hui, mais Couchsurfing, c'est vachement développé. Je me suis mis sur Couchsurfing, il y avait 4000 utilisateurs. Aujourd'hui, il y en a 7 millions, je crois. Donc, ça a pris. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui favorise, qui met en relation celui qui voyage et qui veut un logement gratuit avec des gens qui ont un peu de place chez eux, sur leur canapé ou autre, et qui offrent gratuitement pour 2-3 jours. Donc, ça rapproche les voyageurs et les locaux, et c'est très bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'étais même ambassadeur pendant mon tour de ce site. Après, je dormais partout. Vous voyez ici, en Colombie, sous un camion-citerne. J'avais une tente donc, que j'ai laissée après au Brésil parce qu'elle était trop lourde. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie de porter. Donc, je me suis dit, bah, je me débrouillerai pour toujours trouver des endroits où dormir. Mais j'avais plus envie de porter la tente, donc je l'ai laissée au Brésil. Alors, j'aime bien donner l'exemple de cette famille. C'est une famille en Malaisie, famille de 5, qui aimerait voyager autour du monde, mais ce n'est pas évident pour eux, ça coûte cher, les visas ne sont pas évidents à avoir, etc. Alors, ils ont le monde qui vient chez eux. Les gamins, ils avaient une carte du monde avec des grandes punaises, des punaises partout, tac, 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 tac. La semaine dernière, on avait quelqu'un du Brésil, la semaine d'avant, on avait quelqu'un d'Australie, la semaine d'avant, quelqu'un de n'importe, et maintenant, on a quelqu'un de France. Et donc, c'est génial parce que ça les ouvre sur le monde, ça leur permet d'apprendre l'anglais, etc. Mais en plus, ils allaient même plus loin. Ils permettaient aux Brésiliens de venir dans leur salle de classe de façon à ce que le Brésilien présente le Brésil à tous les jeunes de sa classe, que l'Australien présente l'Australie, etc. Et j'aime bien mettre en avant cette famille parce que ça, c'est la base de la paix, apprendre à mieux se connaître les uns les autres. Donc voilà, c'est un bel exemple, je trouve. Les visas, bah, je les faisais au fur et à mesure. Je pouvais pas faire avant de partir pour 5 ans. Vous savez que la durée de vie d'un visa, il faut l'utiliser en général dans les 3 mois. Donc moi, je les faisais au fur et à mesure. Quand je voulais le visa pour la Chine, j'allais dans l'ambassade de Chine au Vietnam. Quand je voulais le visa pour la Mongolie, j'allais dans l'ambassade de Mongolie en Chine. Donc je les faisais au fur et à mesure. Étant français, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. On a un bon passeport pour les visas. En général, en 4-5 jours, j'avais le visa. Il y a eu un petit peu plus de complications pour le visa pour le Pakistan, mais j'ai finalement pu l'avoir. Donc, voilà pour les visas, pour les langues. Aujourd'hui, je parle 5 langues, anglais, français, espagnol, portugais, allemand. Bien que l'allemand, je l'ai appris à l'école, est un peu rouillé. Mais en tout cas, donc, j'ai fait en sorte, j'ai appris l'espagnol et le portugais, je ne les parlais pas avant de partir. Je les ai appris en voyageant, mais étant toujours avec les locaux, on apprend vite. Et j'utilisais, donc, comme je disais, ces outils là en chinois, ici en ourdou. Donc, c'était un super moyen, j'en ai eu une trentaine comme ça, pour me faire comprendre. La nourriture, alors faire un tour du monde, ben on touche à toutes sortes de nourriture, forcément. Ici, les iguanes au Nicaragua. Donc, c'est un petit peu comme du poulet, pas mauvais. Les araignées au Cambodge. Donc, bon, c'est croquant, il y a les pattes qui restent entre les dents, c'est pas extraordinaire. Juste pour la petite histoire avec l'araignée, c'était amusant parce que
J'étais au marché de Phnom Penh, donc je savais qu'au marché de Phnom Penh, je trouverais des araignées, j'en avais entendu parler. Donc j'arrive au marché de Phnom Penh, je veux acheter une araignée pour l'expérience, histoire d'avoir goûté. Et puis j'étais avec une personne locale, je demande une araignée s'il vous plaît. Et le gars à côté de moi, il dit « Ah, tu veux pas en acheter une, achète-en 10 !» Je dis « Non, j'ai besoin qu'une pour l'expérience, c'est bon. »« Non, 10, 10, 10 !» Bon, je me retrouve avec 10, bon, ça coûte pas bien cher, mais j'ai mon expérience avec une, ça me suffit. Après, je me retrouve avec 9, je dis « Qu'est-ce que je vais faire avec 9 araignées ?» Et donc, j'avais un gardien d'immeuble pas loin, je vais le voir, je dis « Ça vous intéresse, j'ai 9 araignées à vous donner. » Et puis lui, « Ah oui, oui, oui !» Lui, il a mangé, pour lui, c'est la gastronomie, donc c'est assez amusant. Les sauterelles et les criquets en Thaïlande, donc bon, ça fait partie des choses classiques. Les serpents au Laos, alors là, pour la petite histoire, j'étais sur une petite route laotienne, il n'y avait pas de trafic, et d'un coup, il y a un petit serpent qui passe pas loin de moi, donc moi, mon réflexe, c'est de faire un pas en arrière. Et le gars qui est là, il dit « Ah, n'aie pas peur, allez, on va le manger. » Et donc, bon, c'est assez caoutchouteux, hein, c'est un peu comme manger un pneu. Rien d'extraordinaire. Les brochettes de scorpions en Chine. Bon, ça, c'est un petit peu aussi comme les araignées, il y a les pattes qui restent entre les dents, c'est pas extraordinaire. Malgré ça, j'ai eu la chance qu'en 5 ans de voyage, j'ai pas été gravement malade. J'ai eu quelques soucis gastriques sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais en gros, je m'en suis plutôt bien sorti. Alors, il était important pour moi de garder une bonne hygiène. J'essayais de me laver les dents, de prendre ma douche tous les jours où je pouvais. Alors, parfois, c'était qu'avec quelques petites gouttes. Parfois, c'était dans les lacs ou autres. Et puis, pour laver mes affaires, pareil, je m'adaptais à ce que je pouvais trouver. Donc, j'avais suffisamment d'affaires pour 8 jours. Il fallait que je lave mes affaires tous les 8 jours. Les dangers, alors faire un tour du monde en stop, il peut y avoir des dangers, forcément. Je dois avoir une bonne étoile, je suis devant vous aujourd'hui. Donc, j'ai pas été agressé très sérieusement, j'ai pas eu d'armes comme ça. J'ai rencontré quand même des gens bizarres, j'ai rencontré des gens qui roulaient très vite, des gens qui roulaient complètement ivres. J'ai eu des gens qui roulaient avec de la drogue derrière. J'ai eu beaucoup de gens qui roulaient avec des armes dans la voiture, en Amérique centrale notamment, c'est assez fréquent. Souvent, enfin, ça m'est arrivé 3-4 fois où je rentre dans la voiture et le gars me montre son arme, en gros, tiens-toi bien, hein, si tu cherches à m'agresser, j'ai ce qu'il faut. Ou alors, une fois au Costa Rica, il pleuvait fort et j'arrête la voiture de façon un peu dynamique comme ça, parce que j'étais sous la pluie, stop, stop, stop. Et le gars, il a eu peur, il a cru que je l'agressais, il sort de... Qu'est-ce que tu veux ? Ah, tirez pas, je suis français, je fais le tour du monde. Bon, il y a eu des situations comme ça, mais en gros, je m'en suis quand même bien sorti. Donc là, vous voyez l'arme sous l'autoradio. Alors, famille et amis, il était important pour moi de garder contact avec mes proches. Donc, ils sont venus souvent me voir un peu à travers le monde et Internet m'a énormément aidé. Aujourd'hui, on trouve accès à Internet dans les endroits les plus reculés, même au fin fond du Sahara, dans un petit village. Vous voyez, cybercafé, bonjour maman, je suis dans le Sahara. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Quelques chiffres de ce tour du monde, 170 000 km à travers 59 pays, 1300 conducteurs. Plus long trajet dans une voiture, 5 jours et 2 heures dans une partie du Sahara. Plus longue distance dans une voiture, 1700 km de Florianopolis à Buenos Aires. Après, dans un bateau, c'est 14 000 km, comme je vous disais, pour le Pacifique. Plus longue période d'attente au bord de la route, 28 heures au Brésil. Donc, vous pouvez imaginer, 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Mais bon, la persévérance finit toujours par payer. C'était un petit bled au fin fond du Brésil. Il n'y a personne qui voulait aller où je voulais. Donc, j'étais dans une petite station. Après, le plus dur, comme dit, dans un tour du monde, en stop, ce n'est pas l'autostop qui est une question d'heures d'attente, c'est le bateau stop qui est une question de semaines de recherche. Et donc, à chaque fois, pour trouver des bateaux, il m'a fallu en général 6, 7, 8 semaines. Plus courte période d'attente, Tarragone en Espagne, première voiture. Nombre de refus estimés dans les stations-service, j'ai mis 20 000, mais je ne les ai pas comptés. Il faut en tout cas accepter de se prendre beaucoup de réponses négatives dans la tête. Nombre de bateaux nécessaires, 10. Parce qu'il y a l'Atlantique, il y a le Pacifique, il y a l'Antarctique, mais il y a aussi, par exemple, entre la Colombie et le Panama, vous savez qu'il n'y a pas de route. C'est ce qu'on appelle le Darien Gap, parce que la Panaméricaine va d'Alaska jusqu'à Ushuaia, sauf qu'elle est coupée entre la Colombie et le Panama sur 150 km, donc il faut trouver un moyen pour le contourner en bateau. Il y avait ça, il y avait aller de Nouvelle-Zélande en Australie, d'Australie en Indonésie, dans les îles indonésiennes, donc au total, 10 bateaux. Nombre de photos, 23 000. Coût total du tour du monde, 25 000 euros sur 5 ans. Donc, moyenne de 5 000 euros. J'expliquerai tout à l'heure comment j'ai financé. Alors, les gestes de l'autostoppeur. Vous connaissez le pouce en l'air, mais ce n'est pas partout pareil. Vous allez en Iran, ça veut dire ça. Donc, faites gaffe, les gars. Si vous ne voulez pas être allumé, il faut faire gaffe. Donc, parfois, il faut faire comme ça. Parfois, il faut faire stop.
Ne faites jamais stop comme ça en Grèce. Si vous faites ça à quelqu'un, j'ai un ami, une fois, il était en vacances en Grèce, il a loué une voiture, et à un moment, il arrête comme ça, il fait « Ah, désolé !» Sauf qu'en Grèce, ça veut dire autre chose, le gars est sorti, il lui a mis un poing dans la figure. Donc, il faut faire attention aux gestes. Parfois, il faut faire comme ça, parfois, il faut faire comme ça, donc parfois comme ça, parfois comme ça. Quand je suis arrivé en Chine, je ne savais pas comment faire, donc j'ai commencé avec le pouce en l'air, puis les gens, ils me regardaient tous, ils me faisaient... Je dis, c'est sympa, mais c'est pas très efficace. Donc, bon, c'est parti. Ou alors, quand j'étais en Inde, les gens, je leur demandais, puis tous, ils font toujours comme ça. Et donc, je leur demandais, bonjour, est-ce que vous allez dans la direction de New Delhi? C'est oui, c'est non. Je prends mon sac. Donc, c'est toujours, toujours amusant, ce geste. Donc, bon, ça fait partie des différences culturelles. Au niveau des gestes aussi, toujours, au Brésil, par exemple... Au Brésil, souvent, dans la voiture, on me faisait comme ça. Donc moi, ça veut dire en France, bah, t'as mauvaise haleine, va te laver les dents. Je ne comprenais pas. En fait, ça veut dire on va manger. Donc si quelqu'un vous dit ça, ça veut dire on va manger. Ou alors il y a des gens qui disaient « Ah désolé, je ne peux pas te prendre parce que ça. » Je dis quoi ça? En France, ça veut dire soit ça caille, soit c'est cher ou autre. Non, au Brésil, ça veut dire la voiture est pleine. Donc sachez-le en tout cas. Si quelqu'un vous fait ça, donc moi je ne comprenais pas, vous ne pouvez pas me prendre parce qu'il fait froid. Au niveau des différences culturelles aussi, bah dans les pays musulmans, il fallait apprendre à manger avec la main droite. Vous savez que la main gauche est uniquement pour les tâches hygiéniques, on n'utilise pas de papier à une toilette, on utilise la main gauche avec de l'eau. Donc après c'est une différence de culture, vous savez, eux ils disent que c'est beaucoup plus propre parce qu'eux lavent, nous on essuie. Différence de culture. Mais une fois il y a quelqu'un qui m'offre un thé, moi je bois le thé avec la main gauche parce que pour moi comme pour vous, ça ne change pas grand-chose, je bois avec la main gauche et on me dit que c'est un manque de respect parce qu'il faut boire avec la main droite. Ça fait partie des différences culturelles avec les berbères aussi. Il fallait apprendre à rôter à la fin du repas pour montrer que le repas était bon, signe de respect. Si on ne rote pas, ça veut dire qu'il n'était pas bon, donc il fallait s'adapter aussi. Un mot sur le financement. Comme je disais, ce tour du monde m'a coûté 25 000 euros, sachant que je dépensais rien en transport, faisant que du stop, et rien au logement parce que je logeais où je pouvais loger. Donc, quand on économise sur le transport et le logement, on économise beaucoup. Maintenant, il restait à financer la nourriture, mais la nourriture de la rue est en général pas trop chère. Les visas, il y a eu 1 000 $ de visa à peu près sur 5 ans. Internet, le vêtement de temps en temps, etc. Donc, tout ça, alors comment je l'ai financé? Je suis parti de France avec environ 11 000-12 000 euros. Il y avait 7 000 euros d'économie personnelle, 4-5 000 euros de partenaires qui m'ont aidé un peu. Et ensuite, il y a eu un an de tournée de conférences aux États-Unis et Canada qui m'a permis de gagner un petit peu d'argent. J'étais homme de ménage en Australie, serveur en Argentine. J'ai écrit des articles dans les journaux, j'ai fait une chronique à la radio. Donc le tout compilé m'a permis de financer ce voyage. Alors je vais passer à la deuxième partie qui sera plus courte que la première. Sur le doctorat de la route. Comme tu disais tout à l'heure, l'objectif premier de ce tour du monde, c'était avant tout de sortir de ma bulle, de faire face à la réalité du monde. Comme on dit souvent, l'émotion est la porte de la conscience. Voir un enfant mourir de faim devant soi, on réagit d'une façon. Voir un enfant mourir de faim à la télé, on réagit d'une façon complètement différente. Donc l'émotion est la porte de la conscience, et j'ai eu beaucoup d'émotions pendant ce tour du monde et beaucoup de prises de conscience, avant tout sur l'environnement. Vision des forêts dévastées un petit peu partout, Indonésie, Honduras, donc énormément de forêts dévastées. Vision également de tous ces fleuves dégueulasses qu'on retrouve partout maintenant dans les bidonvilles un peu partout à travers le monde. Vision aussi de la fonte des glaciers, du blanchissement du corail. Prise de conscience également au niveau de la misère. J'ai eu la chance pendant ce tour du monde de vivre dans des bidonvilles avec des familles... très pauvres, notamment en Indonésie, au Honduras aussi. Donc ça a été des expériences humaines très fortes où j'ai beaucoup appris au contact des plus pauvres, passer du temps avec ces enfants qui vivent dans la déchetterie, à manger les déchets, etc., à dormir dehors parfois. Donc ça a été des expériences, et tous ces enfants qui travaillent, bien entendu, il y a aujourd'hui plus de 250 millions de moins de 14 ans qui travaillent dans le monde. Passer du temps donc avec les plus pauvres, d'entre les plus pauvres, chez Mère Teresa également. Donc ça a été aussi des expériences qui m'ont beaucoup touché. Prise de conscience également au niveau de la guerre, de la violence, de la haine. J'ai eu l'occasion pendant ce tour du monde de
côtoyé différents types de guerres, commencer par les guerres urbaines avec les maras, peut-être que vous connaissez au Salvador, Honduras, c'est des gangs particulièrement meurtriers. J'ai vu d'ailleurs une personne morte devant moi au Salvador avec des armes qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est des gangs très très meurtriers qui terrorisent les populations et comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'armes qu'on retrouve un peu partout. L'Afghanistan, bien entendu, où on retrouve la guerre à tous les coins de rue. Ici, c'est un char à Kaboul, un char italien. Et vision donc, de 30 années de guerre successives qu'on retrouve dans les murs. Donc ici, donc toujours à Kaboul, même si Kaboul est en train de se reconstruire petit à petit. Donc les visions de la guerre sont encore bien présentes, avec des checkpoints partout. Cet homme qui tient sa jambe dans la main, probablement victime d'une mine. Ici, la Corée du Nord, vous voyez un panneau de propagande dans la rue, anti-américain. Donc on se demande s'ils sont vraiment sortis de la guerre froide. Ici, on va voir, c'est le métro de Pyongyang qui est à 90 mètres sous terre parce que le dictateur dit qu'à tout moment, il va y avoir une attaque nucléaire. Donc il a construit des bunkers nucléaires. We will make America face a severe defeat. Ici, on est en Iran. Beaucoup de messages de haine du gouvernement, pas de la population, toujours. Enfin, parfois, oui, mais c'est le gouvernement surtout. Donc il faut bien différencier population du gouvernement. Et donc avec beaucoup de peintures de ce style qu'on retrouve un peu partout, dans Down with USA, à bas les États-Unis, c'est l'ancienne ambassade américaine qui est désertée depuis 1979. Alors comprendre la guerre a fait partie des objectifs de ce tour du monde, sans chercher forcément à juger, mais tout simplement en me positionnant comme quelqu'un qui a envie de comprendre et d'apprendre. Donc j'ai posé beaucoup de questions, tout simplement comme quelqu'un d'assez naïf. Donc ici, en Colombie, par exemple, ce militaire m'explique que la guérilla est là-haut, mais pas dans les villes, mais qui se cache là-haut, les guerrilleros des FARC notamment. J'étais aux États-Unis en 2004, quand il y a eu l'après-intervention en Irak. Donc c'est un moment où il y avait les sentiments anti-français, et puis on retrouvait les « God bless America » un peu partout. Donc j'essaie de comprendre pourquoi cette intervention en Irak, malgré que l'ONU n'était pas en faveur. Donc pourquoi tant de nationalisme? Voilà, essayer de poser des questions, essayer de lire beaucoup aussi, notamment sur les défis de demain liés à l'eau, l'énergie, etc. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour lire pendant ce tour du monde. Également de visiter des musées, mais à vue d'une autre façon, le musée de la guerre au Vietnam, arriver à voir comment eux voient les choses. Visite également des camps de concentration en Allemagne que les Allemands visitent aujourd'hui avec les larmes aux yeux. Visite également des centres de torture des Khmers rouges. Vous savez qu'entre 2 et 3 millions de personnes ont été torturées et massacrées au Cambodge. Donc ça fait partie de voir ces genres de choses. Ça fait froid dans le dos, ça amène à se poser des questions sur l'humanité avec les centres d'exécution. Donc 2 à 3 millions de personnes qui ont été exécutées. Également Genghis Khan, qui est vu comme un véritable héros, donc c'est le plus grand empereur que l'humanité ait connu au XIIe siècle, qui a eu le plus grand empire, et qui est vu donc comme le héros national. Mais j'ai aussi pu voir d'autres types de musées, notamment comme ici le musée Gandhi, qui m'a montré qu'on pouvait aussi arriver à ses objectifs sans utiliser forcément la violence. Visite également de beaucoup de cités historiques, essayer de comprendre. Est-ce que nous avons quelque chose à apprendre de toutes ces civilisations disparues? Vous avez vu le Machu Picchu avec les Incas, les Tikal ici avec les Mayas, les Khmers ici au Cambodge. Donc essayez de comprendre si nous avons quelque chose à apprendre de ces civilisations disparues. Visite également des centres stratégiques ici au sud de l'Iran, le détroit d'Ormuz, qui est certainement l'endroit le plus stratégique au monde, où 35% du pétrole du monde passe par ici. Si un jour l'Iran décide de bloquer ce détroit, ça pourrait être le début de quelque chose de très grave. Visite également des nouvelles puissances, très très impressionné de découvrir la Chine, la nouvelle Chine qui se développe à grande vitesse, visite du barrage des Trois Gorges notamment, qui est le plus grand barrage hydroélectrique du monde, visite des centres d'appel en Inde, avec notamment des cours de neutralisation de l'accent. Ici, ils apprenaient à paraître moins indiens au téléphone pour pouvoir appeler l'Angleterre ou les États-Unis. Visite de beaucoup d'entreprises aussi. Alors si j'ai cherché aussi à comprendre la guerre, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on ne se bat plus avec ce genre de choses. Aujourd'hui, ce qui pourrait arriver, c'est ça. L'arme nucléaire. Alors la prolifération des armes nucléaires est forcément quelque chose de dangereux, d'inquiétant. Alors dans ce contexte-là, je me suis posé la question, est-ce que la paix est possible? Est-ce qu'un jour les gens sur Terre arriveront à s'entendre les uns avec les autres?
Alors j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai pas tout compris. Il y a plein de pays comme l'Afghanistan, par exemple. Plus j'allais en profondeur, plus je me rendais compte à quel point c'est complexe de comprendre. Mais j'ai tout de même abouti à un certain nombre de certitudes. La première d'entre elles, comme dirait Benjamin Disraeli, ce ne sont pas les circonstances qui façonnent un homme, c'est l'homme qui fait les circonstances. En d'autres mots, il n'y a pas de fatalité, le monde de demain sera ce que nous en ferons. Première certitude. Deuxième certitude, la paix doit avant tout venir des individus et pas uniquement des gouvernements et traités internationaux. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour cette paix future. Troisième certitude, de nombreux conflits naissent à cause de mésententes culturelles, de peur de l'inconnu et de manque de tolérance. En somme, d'ignorance. Quand on voyage autour du monde, on se rend vraiment compte à quel point il y a énormément de conflits dus simplement à l'ignorance. Quatrième certitude, là ça peut sembler banal pour les gens ouverts, mais on est tous les mêmes. Peu importe notre couleur de peau, notre religion, notre nationalité, on a tous la volonté d'avoir des enfants et de leur amener le meilleur avenir possible. Et ça, c'est vrai à travers les cultures, les religions, etc. Alors, j'aime dire que j'ai beau avoir fait le tour du monde, mais j'ai l'impression d'être allé sur la Lune. Et qu'aujourd'hui, je suis en mesure de regarder le monde depuis la Lune. Et la première chose qu'on voit quand on regarde le monde depuis la Lune, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Alors moi, si j'ai un rêve pour le futur de l'humanité, bien sûr, aujourd'hui, c'est utopique, mais c'est de se dire que un monde sans frontières, et j'espère qu'on pourra travailler dans cette direction. Alors, comment arriver à la paix? Qu'est-ce qui me paraît important aujourd'hui? Là aussi, ça peut sembler banal, mais la première nécessité, c'est déjà d'apprendre les uns des autres et de s'enrichir de différences. Partant de ce point de vue et partant de cette constatation, je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais une mine d'or dans la main avec ce tour du monde et que je pouvais approcher, entre guillemets, la différence et avoir des dialogues interculturels. Donc, par exemple, ici, j'allais souvent toquer aux portes des écoles coraniques, notamment, avec la volonté d'avoir un dialogue, monde musulman, non musulman, parce qu'il y a un besoin de dialogue, notamment pour ça, mais aussi au fin fond de la Chine, etc. Donc, j'allais toquer aux portes de plein d'écoles à partager mon aventure. J'avais tout le diaporama des animaux du monde, des religions du monde, etc., etc. Donc, beaucoup de questions, comme vous voyez ici, si on est au Pakistan. Ici, en Indonésie, j'ai une jeune fille qui me dit « Tiens, j'ai entendu que dans votre pays, en France, il est interdit d'avoir le foulard islamique à l'école. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ?» Vous parlez de laïcité, ça veut dire quoi, laïcité? Donc, c'est vachement intéressant et important d'avoir ce genre de dialogue aujourd'hui. Ici, on est en Afghanistan. J'ai une jeune fille qui me dit « Vous savez, nous, on n'a jamais eu l'occasion d'échanger comme ça avec un occidental. Pour nous, un occidental, c'est un soldat, il a un casque sur la tête. » Donc, l'idée était de casser un peu ça et d'avoir un autre type de relation. Également, ici en Iran, vous voyez peut-être toutes les femmes avec les voiles en noir et puis les ayatollahs à droite à gauche là-haut. Donc, parfois, on me posait des questions sur le nucléaire, mais je n'étais pas là pour faire de la politique. Moi, j'étais là pour partager mon parcours, pour essayer de... Ah, le son ne marche pas. Source d'espoir. Alors, pourquoi la paix est-elle possible? Qu'est-ce qui me fait dire aujourd'hui que la paix est possible? La première chose, ça peut sembler aussi évident, mais c'est ce que quasiment tout le monde veut. Et je me suis amusé en allant dans toutes ces écoles, il y a eu quand même 350 conférences pendant tout le tour du monde, je me suis amusé à demander aux enfants quel est leur rêve pour leur pays, pour leur vie. Et souvent, croyez-le ou non, aucun ne m'a dit « je veux être guerrier ». Ils voulaient être docteur, ils voulaient être policier ou je ne sais quoi. Donc c'était toujours intéressant de découvrir les rêves des enfants à travers le monde. Et donc ça, c'est vrai un peu partout. Deuxième raison, et c'est la plus grande satisfaction de mon tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Et retenez bien ça, parce que ce n'est pas Claire Chazal qui va vous le dire. Donc là, vous avez l'image d'une personne qui a fait un tour du monde en stop pendant 5 ans, qui n'a pas été agressée, et c'est un message que je souhaite promouvoir. Donc même en Pakistan, un pays où j'avais peur d'aller au départ, il s'est avéré que c'est le pays avec l'Iran où j'ai eu la meilleure hospitalité du monde. J'étais dans ma vie dans plus de 100 pays, si je devais faire un classement des plus hospitaliers, l'Iran et le Pakistan seraient dans le top 3. Donc ici, on est dans une famille iranienne, donc tous les jours, invités à prendre le thé, à dormir, etc. Donc, alors j'ai parlé tout à l'heure de ces deux sites-là qui sont pour moi des vecteurs de paix formidables. Donc, sans avoir à aller au bout du monde, même si vous voulez voyager sans bouger de chez vous, vous pouvez utiliser ce genre de site. Et donc, cette famille, ce qu'elle faisait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je trouve que c'est un vecteur de paix formidable. Donc, je ne peux que vous encourager à faire la même chose. Ensuite, la troisième raison, c'est les passeurs d'espoir. Quand j'étais étudiant, à votre place, vous m'auriez dit ONG,
j'y connaissais vraiment pas grand-chose. Je vous aurais dit les grosses ONG du monde. Et j'ai rencontré pendant ce tour du monde plein de petites ONG et des gens formidables qui changent la destinée des plus démunis et qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont enseigné beaucoup d'humilité notamment. C'est des gens qui devraient être en première page des journaux, mais dont on parle à peine. Et c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup inspiré. Mais j'ai eu l'occasion en fait d'organiser à trois reprises aussi, à San Salvador, à Jakarta et à New Delhi, des journées de rencontres où je mettais une trentaine d'ONG autour d'une table pour favoriser la synergie. Parce qu'ils ont tendance à dépenser beaucoup de temps, d'argent, d'énergie sur des projets que le voisin a déjà fait plus ou moins. Et je me suis dit qu'ils avaient beaucoup à apprendre à mieux se connaître. Et donc j'ai organisé à trois reprises ce genre d'événement et ça s'est plutôt bien passé. C'était un moyen de faire 1 plus 1 égale 3 en gros. Alors, bien entendu, la base de la paix, c'est surtout l'éducation. Ça m'a fait tellement plaisir de rencontrer des ONG comme celle-là, par exemple, ou des jeunes qui vivaient jusqu'à l'âge de 8 ans, qui devaient manger dans les déchetteries et qui maintenant ont accès à l'éducation et qui peuvent avoir des rêves plein la tête, comme ces deux jeunes filles qui, elles aussi, elles mangeaient dans les déchetteries. Maintenant, elles parlent anglais et français couramment. Elles ont des rêves plein la tête et ça fait tellement plaisir de faire ce genre de rencontres. Également, beaucoup d'ONG permettent aux enfants des bidonvilles. Je me suis rendu compte à quel point les enfants des bidonvilles ne sortaient jamais des bidonvilles. J'ai même un enfant, une fois, qui m'a dit « j'ai jamais vu un arbre dans son contexte naturel ». Moi, ça m'a fait un choc, parce qu'il avait vu que des arbres plantés en ville, mais il n'a jamais vu une forêt ou quoi que ce soit. Et donc là, c'était avant des enfants qui sortaient, qui allaient voir les musées, etc., grâce à des ONG, ou lui, par exemple, qui utilisait le sport comme un moyen de créer du lien, ou ces jeunes-là du Vietnam, qui, vous savez que les relations entre le Vietnam et le Cambodge ont toujours été un peu compliquées, et c'est des jeunes vietnamiens qui, une fois par mois, vont du côté cambodgien pour faire des conférences et autres, et apprendre à mieux se connaître et à créer une nouvelle page des relations entre les deux pays. Donc il y a aussi des jeunes cambodgiens qui viennent, et il y a toujours donc des conférences, il y a des voyages, etc. Donc c'est pour rapprocher les deux pays. Visite également des écoles pour la paix de Nelson Mandela. Il y en a 13 à travers le monde, avec 70 ou 80 nationalités à chaque fois. C'est assez extraordinaire de voir un melting pot comme ça. On fait le tour du monde dans la journée. Également le Rotary. Je n'avais pas forcément une grande opinion du Rotary avant de partir. Je me disais que c'était des riches qui se mettaient ensemble et qui finalement ne faisaient pas grand-chose. Mais en fait, c'est la plus grande ONG du monde. C'est un réseau extraordinaire qui finalement fait quand même beaucoup de choses. J'ai pu le voir sur le terrain. Notamment, j'ai été après le tsunami de 2004 en Indonésie et le Rotary était là au plus près des populations pour mettre en place, donc utiliser un réseau de 1,2 million de personnes à travers le monde pour faire des belles actions. Ouais, avec des actions de microfinance, par exemple, ici, aussi après le tsunami. C'est une famille qui avait tout perdu, par exemple, ici, avec les... ils avaient perdu leur bateau, etc. Et grâce à un système de microfinance, ils ont pu acheter un nouveau bateau et se reconstruire une nouvelle vie. Donc, également, j'étais en Indonésie quand il y a eu un tremblement de terre avec 500 personnes. Et le Rotary était là aussi, à donner des abris à toutes les familles qui avaient tout perdu. Ou alors avec un système d'échange, ils ont aussi tout un système d'échange avec des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans. Et c'est, je trouve assez formidable de permettre tous ces échanges. Alors oui, la paix est possible, mais bien entendu, chacun doit y mettre du sien. Alors j'ai eu la chance, pendant ce tour du monde, de rencontrer aussi celui que je considère comme le meilleur ou l'un des meilleurs ambassadeurs de la paix dans le monde, qui est pour moi plus que le leader des Tibétains ou le leader du bouddhisme, qui est pour moi une icône de la sagesse, de la non-violence, de la tolérance, du dialogue interculturel. Le Dalai Lama qui m'a reçu chez lui pendant une dizaine de minutes, et ça a été un grand moment. Il posait beaucoup de questions, notamment sur ma traversée du Tibet, et puis comment les gens s'étaient comportés avec moi à travers le monde. Donc il était assez curieux, et une expérience formidable. Et il m'a remis la kata, qui est une tradition tibétaine. Donc ça a été un moment très très fort, donc... Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ce grand homme. Alors, juste avant de clôturer, bon, ça c'est les femmes girafes, vous connaissez peut-être, à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Plus le cou est long, plus c'est un symbole de beauté. Alors, juste avant de clôturer et de laisser la place pour les questions-réponses, un mot pour vous dire que j'ai un site internet, ludovichubler.com, qui résume déjà un petit peu pas mal de choses. Vous dire aussi que j'ai écrit un livre, en fait, qui a reçu le prix du meilleur récit de voyage l'année 2010,
qui s'appelle Le Monde en stop, 5 années à l'école de la vie. Pour ceux que ça intéresse, il est en vente au prix de 20 euros. Donc j'en ai ramené quelques-uns si ça intéresse. Je peux mettre un mot dedans si vous voulez. Donc voilà, il y a un DVD qui sortira, mais je ne l'ai pas encore fait. Et là, le livre sort dans les prochains mois en anglais, en arabe, en coréen, en indonésien et en pocket. Ce qui n'est pas une langue. Vous dire aussi qu'après avoir travaillé, après avoir fait le livre, j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'organisation Peace and Sport à Monaco, qui est une organisation qui utilise les valeurs du sport pour aider à la paix dans le monde, en gros. Donc comment le sport peut aider à réintégrer les membres de gangs, comment le sport peut aider à réintégrer les enfants soldats, comment le sport peut aider à ce que les Hutus et les Tutsis puissent vivre ensemble. Donc je travaillais sur ces dynamiques-là, j'étais responsable des projets terrain pendant 5 ans. Et après, donc, j'ai créé, et ça, peut-être que ça peut intéresser certains si vous voyagez, avec toute une équipe qui s'appelle Travel with a Mission. Travel with a Mission, en fait, c'est né pendant ce tour du monde. Je vous disais que j'allais souvent toquer aux portes des écoles, mais c'était toujours compliqué de savoir quelle école est intéressée, quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution. Donc je perdais beaucoup de temps. Des fois, on me disait oui et on me mettait 1000 gamins devant. Des fois, on me disait non, tu aurais dû nous contacter avant, on ne peut pas faire ça comme ça, etc. Donc parallèlement à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes comme vous qui voyagent autour du monde et qui ont envie de se rendre utile. Donc il y avait une vraie offre et une volonté de se rendre utile. Et de l'autre côté, plein de profs et autres, d'associations, d'écoles, d'universités, qui veulent recevoir des gens qui peuvent partager une chose ou une autre. Donc quand j'étais au fin fond de l'Indonésie, par exemple, ils me disaient « Dis à tes amis de venir, nous on est demandeurs ». Alors je peux dire à mes amis, mais ça reste limité. Et donc, il y avait une offre, il y avait une demande, mais une difficulté de mise en relation entre cette offre et cette demande. Et donc est née l'idée de faire Travel with a Mission avec ce qu'on appelle les Twammers. Donc Twam, vous l'avez compris, c'est Travel with a Mission. Le Twammer, c'est celui qui veut partager connaissances, compétences, expériences. Et le Twamost, c'est celui qui reçoit. Donc c'est l'offre et la demande. Et Twam favorise la mise en relation entre l'offre et la demande. Et on veut développer ce qu'on appelle le Twamming, qui a vocation quelque part à être un nouveau type de tourisme. Ce n'est pas uniquement sur un tour du monde. Alors sur un tour du monde, on a des gens qui font des tours du monde et en même temps, ils vont enseigner au premier secours dans les écoles du monde entier pendant qu'ils avancent. On en a d'autres qui veulent sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde entier et donc la plateforme l'aide à rentrer en contact avec des écoles prêtes à recevoir. On a des gens qui vont jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier. Mais ça peut être aussi, vous allez à Madagascar pendant 2 semaines, vous allez peut-être faire 13 jours sur la plage, mais pendant 2 jours, vous allez aller dans les écoles du coin, parler de votre pays, de votre passion, et favoriser ainsi le dialogue interculturel, l'accès à l'éducation. Et c'est ça qu'on souhaite faire. C'est pour ça qu'on est associatif, on a un but non lucratif. Et donc, je vous encourage, c'est gratuit. On a voulu garder la plateforme gratuite pour qu'il y ait un maximum d'échanges. Donc aujourd'hui, on a permis, aujourd'hui sur la plateforme, il y a à peu près 3000 utilisateurs dans 80 pays. Donc la plateforme a été lancée en fait officiellement en 2013. Mais aujourd'hui, on a permis 200-300 matchs entre l'offre et la demande. Mais dans le futur, l'objectif, c'est d'en permettre 200 000, 300 000, 400 000. Et là, on aura un super impact sociétal. Donc moi, je vous encourage, si vous voulez, à créer un profil gratuit sur la plateforme. Si certains d'entre vous, d'ailleurs, veulent travailler avec nous, parce que donc, en tant que bénévole dans l'association Travel with a Mission, on est une 50aine de bénévoles, mais il y a de quoi faire. Donc vous pouvez écrire sur info@travelwithamission.org, ça arrivera à moi. Et je vous répondrai. Donc, pour trouver la meilleure façon de collaborer. Mais sinon, en tant que simple utilisateur, donc vous pouvez créer un profil, devenir Twammer si vous partez autour du monde. Et voilà. Ou alors, si vous organisez des conférences ou autres, vous devenez Twamost, vous offrez un public. Parce que ça peut être aussi le Japonais qui vient à Troyes et qui va parler de la culture japonaise dans les écoles de Troyes. Ce n'est pas uniquement le blanc qui va aller en Afrique ou en Asie. Ça peut aller dans tous les sens. Et ça peut être très local aussi. Vous voulez sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles de l'aube, ça marche aussi. Donc la notion de voyage peut être très proche. Voilà, vous dire aussi que j'ai eu la chance pendant ce tour du monde de rencontrer la femme de ma vie, ça fait partie de l'aventure. Donc mariage religieux, enfin civil en France en 2009, religieux en 2010 avec Marisol du Panama. Et je suis l'heureux papa d'une petite fille qui a 2 ans et demi maintenant, elle est un petit peu plus âgée que ça. Et donc voilà en gros. Ben, merci beaucoup pour votre attention et je suis ouvert aux questions si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que j'étais pas trop long, j'espère que je ne partais pas trop vite.
Souvent, on me dit que je parle trop vite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que j'ai répondu déjà à quelques questions à travers les questions fréquemment posées, mais... Oui. Alors, si j'avais été une femme, est-ce que ça aurait pu être la même chose? C'est une question qu'on me pose régulièrement, effectivement. Une femme est plus vulnérable, forcément. J'ai rencontré une fille qui faisait un tour d'Amérique latine et qui me dit, sans problème en stop, et elle me dit qu'elle n'avait eu aucun problème, donc c'est jouable. Après, j'encouragerais plus à le faire à deux femmes, parce qu'il y a quand même un paquet de machos, et donc il vaut peut-être mieux être deux pour faire avec une fille, entre filles. Sinon, après, avec les transports locaux, des jeunes filles seules qui voyagent, il y en a plein. Donc, mais là, je parle du stop, vaut peut-être être mieux deux. Mais ça se fait quand même seul. Hein. J'en connais qui le font et ça se passe très bien. Mais après, c'est vrai que dans certains pays, la place de la femme, il y a quand même... Donc voilà, mais j'encourage en tout cas, ne serait-ce qu'avec les transports locaux, ça vous... il y a plein de filles maintenant qui voyagent seules avec les transports locaux ou autres aussi. Oui. Donc maintenant, je me suis mis à plein temps sur Travel with a Mission. Maintenant, je suis en train de toquer aux portes des entreprises. On a fait toute une offre pour les entreprises. On leur propose un certain nombre de choses. Et donc, je passe mes journées à toquer. Donc, demain, je vais à Paris rencontrer des entreprises pour essayer d'avoir des partenaires et puis développer la plateforme. On veut travailler sur une version 2 du site aussi, plus design, plus moderne aussi, etc. Donc voilà, je mets toute mon énergie parce que quand on y croit, il faut y aller à fond, comme pour le tour du monde. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir un bel impact via Travel with a Mission. D'autres questions? Oui, là-bas. J'utilise quel média pour m'informer? Bon, j'utilise toutes sortes de médias, ça dépend. Bah, moi, je lis beaucoup, ne serait-ce que les tweets, etc. Au niveau des infos, je regarde TF1, je lis à la fois du Figaro et du Libération, si votre objectif est de savoir de quel côté ça ne va pas vous aider. J'aime bien avoir une vision générale. Mais après, un tour du monde comme ça m'a rendu quelque part ma vie plus intéressante. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à regarder derrière les simples images de catastrophes. Quand je lis un article sur le Nicaragua, j'arrive à lire entre les lignes maintenant. Je repense à telle personne qui m'a dit ça, j'ai des images qui me reviennent dans la tête. Quelque part, j'arrive à mieux comprendre les choses. Donc, beaucoup de gens me disent, mais après 5 ans, ça doit être tellement chiant ta vie. Non, pas du tout. Et sachez aussi qu'il y a plus d'endroits que je veux découvrir maintenant qu'avant de partir. Parce que je suis moins ignorant, tout simplement. Vous m'auriez dit Panama avant de partir, par le canal, j'y connaissais pas grand-chose. Puis après, on va sur place. Les gens, ils te disent « Ah, faut aller là, faut aller là, faut aller là », tu commences à te renseigner. « Ah ouais, c'est pas mal, ben, il faudra que je revienne. » Et c'est la même chose dans chaque pays. Et après, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à voir intéressantes. Et ça m'est arrivé plein de fois de découvrir des choses extraordinaires sur cette terre dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'est dans ces cas-là, tu te dis « Waouh, heureusement que je suis parti, j'aurais été comme un couillon à rester à la maison et je n'aurais pas vu à quel point la terre est extraordinaire. » Et après, ça permet aussi, quand je suis dans le RER parisien, des fois, je ferme les yeux et je repense aux chutes d'Iguassou et ça me rafraîchit quelque part, ou à l'Antarctique et autres. Et ça, c'est des choses qui resteront jusqu'à mon dernier souffle. C'est des expériences formidables. Donc ouais, moi, ça a été... Après, c'est, comme je disais au début, le voyage, c'est une drogue. Plus on voyage, plus on a envie de voyager. Avant de partir, mon père m'avait dit « Évite de partir plus de 6 mois, tu vas rentrer déconnecté de la réalité ». Et aujourd'hui, je lui dis non seulement je ne me sens pas déconnecté de la réalité, je me sens mieux connecté à la réalité, mieux connecté au monde qui m'entoure, mieux connecté à mes frères, les hommes, je fais preuve de plus d'empathie, je comprends mieux la vie du mécano du Nicaragua ou du paysan chinois ou autre, mieux connecté aux défis de la planète, que j'ai appris à mieux connaître, mieux connecté surtout à moi-même, parce qu'on fait tout un voyage intérieur quand on voyage comme ça, et plus on rencontre de gens, plus on apprend sur soi-même. Et donc moi, ça a été, comme je dis, toutes les personnes qui m'ont pris en stop m'ont tous appris quelque chose, m'ont tous laissé quelque chose. Une information, une vibration, une sensation. J'ai appris quelque chose de chacune des personnes, et donc ça a été vraiment pour moi la meilleure école de la vie. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « 5 années à l'école de la vie ». Et donc, parce qu'un tour du monde change un homme, et moi, ça m'a changé profondément. Il y avait d'autres questions? Vous n'avez pas évoqué l'éventualité d'arrêter ou d'abandonner un certain moment? C'est parce que c'est jamais arrivé ou c'est tellement fréquent, c'était comme un défi à peu près?
Non, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un défi hebdomadaire, parce que j'adorais ce que je faisais. Après des moments chiants, des moments difficiles, il y en a eu. Des moments où je disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais j'aurais tellement mieux regardé un DVD chez moi. Vous savez, en fait, il y a eu un moment, le 22 janvier 2002, avant de partir, j'ai eu une offre d'emploi pour d'une boîte de consulting et pour laquelle j'avais postulé, en fait, pour un stage de fin d'études. Moi, je voulais que le stage. Et je reçois un CDI, offre de CDI. Et je me dis, waouh! Là, il faut faire la vraie décision. Là, j'ai vraiment deux mondes qui s'ouvrent à moi. J'ai le monde, la vie toute tracée, entre guillemets, je gagne bien ma vie, etc., etc. Option A, ou aller dormir au bord des routes et réaliser mon rêve. Et puis, on verra bien après mon tour du monde ce qu'il en sera. Et ce jour-là, il a fallu vraiment décider. Après, quand je prends une décision, j'y vais à fond. Alors, l'abandon, non, parce qu'abandonner ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire, mais j'aurais pu aller plus vite si je le souhaitais. Moi, à l'inverse, ça devait durer 2 ans et j'ai voulu faire 5 ans. Ce qui a fait durer 5 ans, ce n'est pas tant les trajets. C'est le fait de vouloir rester ici et là, d'organiser les journées de rencontre, comme je le disais tout à l'heure, de commencer à faire les conférences, etc. Je me suis dit que je voulais prendre mon temps pour apprendre du monde, tout simplement. Parce que ça, je ne voulais pas être pressé, je ne voulais pas bâcler. J'avais l'impression, l'Afrique, j'ai l'impression d'avoir bâclé. Après, j'ai eu la chance via Peace and Sport, j'y suis retourné en Afrique, j'ai fait plus. Mais sur ce tour du monde, j'ai fait que Maroc, Mauritanie, Sénégal et Cap-Vert. Donc, je n'ai pas fait énormément et j'ai l'impression d'être allé trop vite. C'était le début de mon voyage. Je me suis dit, il faut que j'arrive rapidement en Amérique du Sud. Je n'avais jamais fait le bateau stop. J'étais un peu inquiet avec ça. J'avais envie de commencer au plus vite, etc. Donc, j'ai un peu bâclé l'Afrique pour ça. Et puis, je me suis dit, mais calme-toi, mon grand. Il y a tellement à découvrir. Et puis, que tu partes 2 ans ou 5 ans, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et donc, avec mes proches, etc., comme dit, ils sont venus me voir. Et puis, ils ont vu mon père aussi, qui était un peu inquiet au départ. Il a vu que c'était presque un métier pour moi, avec les conférences, etc. Et d'ailleurs, sur mon CV au retour, c'est comme ça que je le présente. Sur mon CV, c'est pas une ligne en bas, tour du monde en stop, non. C'est expérience humaine et professionnelle, 2003-2008, tour du monde, avec clac, 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 clac. Et c'est une expérience. Et c'est le travail que j'ai trouvé à Monaco avec, avec Peace and Sport. C'était grâce à ça, notamment. Donc voilà, non, il ne faut pas avoir peur. Souvent, on me dit, oui, mais... si je pars comme ça, je me déconnecte, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Enfin, après, ça dépend une fois de plus du caractère des uns et des autres. Ça peut être le cas aussi. Mais après, pour moi, ce tour du monde, j'ai toujours aimé le considérer comme une étape de ma vie, une vraie étape. Et après, il faut tourner la page et se concentrer sur d'autres choses. Donc aujourd'hui, je suis pas dans la nostalgie du tour du monde. Ça n'a pas été si compliqué de revenir aujourd'hui au monde normal, sédentaire entre guillemets. À la fin de mon tour du monde, j'étais assez fatigué d'ailleurs. Surtout l'Inde m'a cassé, c'était assez... Et donc j'étais content de rentrer quand même à la fin. Donc j'étais plus dans une optique que je vais repartir pour 5 ans. Quoi. C'était une étape de ma vie, c'est terminé. Et donc maintenant je suis sur autre chose. Et donc il faut avoir d'autres projets pour se lever le matin, ça c'est important. Mais voilà. Oui. Si j'étais pas revenu en France, où est-ce que j'aurais aimé revenir? C'est toujours difficile à dire, mais moi, j'aime beaucoup l'Amérique latine. Le Brésil, notamment. J'aime bien, tu mets 2 notes de samba et ça commence à danser. Moi, j'aime bien cette atmosphère. Alors, le Brésil a ses problèmes, tout n'est pas rose, mais j'adore ce côté joyeux où on voit les gens danser. Ben, même à midi, j'étais là et tout de suite, on voit les Brésiliens, les Latinos qui commencent à danser, les Africains aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup cet état d'esprit joyeux, quelque part. Mais après, moi, j'étais prêt à aller partout. Alors, il y a des pays que j'aime moins, la Corée du Nord ou... J'ai pas forcément une grande envie d'aller vivre là-bas. Mais après, ça dépendait aussi des opportunités. Et puis, quand j'ai cherché le boulot, j'ai eu cette opportunité à Monaco qui me paraissait intéressante avec Peace and Sport, où j'avais le côté stable à être 20 jours par mois chez moi et 10 jours par mois où je voyageais. Donc, ça me permettait d'avoir le côté voyage, le côté stabilité. Donc, j'étais content et à faire des missions qui m'intéressaient, à voyager pas mal. Donc, j'ai trouvé l'équilibre comme ça. Le fait d'avoir aussi mon épouse, ça a aidé à une certaine stabilité aussi. Donc, tout ça a aidé à se remettre dans le monde normal, entre guillemets. Mais donc, je n'ai pas eu vraiment de difficultés. Et puis, je continue régulièrement, quand je suis invité, comme là aujourd'hui, à partager les apprentissages de mon tour du monde. J'y vais toujours avec plaisir, à me replonger dans ce que j'ai fait pendant 5 ans. Donc voilà, donc ça n'a pas été si compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui empêche? Quels sont les freins de se lancer dans quelque chose comme ça? C'est avant tout la peur de l'inconnu. C'est avant tout le fait de... La plupart des gens, ils ont une zone de confort, et puis on est quand même bien dedans.
mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors qui est en anglais, vous parlez tous anglais, qui est de Anthony Robbins, qui dit « The quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can comfortably live with. » Ce qui veut donc dire que plus tu te sens à l'aise à sortir de ta zone de confort, meilleure sera quelque part la qualité de ta vie, parce que tu fais grandir ta zone de confort. Et moi, je ne peux que encourager à sortir de sa zone de confort. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu cette opportunité, solution A, d'aller dans une voie toute tracée, donc qui m'aurait certainement aussi apporté des satisfactions. Mais moi, mon rêve d'enfant depuis tout petit, je pense qu'à ça, c'est de faire le tour du monde et d'aller même dormir au bord des routes, etc. Et donc j'ai dit non à l'emploi, je me suis dit on verra bien ce que ça sera après. Et puis aller dans la direction, l'important c'est de réaliser ses rêves, quels qu'ils soient, c'est pas forcément un tour du monde. Il y a des gens qui n'ont aucune volonté de faire un tour du monde, mais qui ont toujours rêvé à faire ceci ou cela. Et je pense qu'il en va de l'épanouissement personnel de réaliser ses rêves et quand tu as une idée. Et puis aussi de lire les signes du destin. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Paulo Coelho qui dit qu'il faut savoir lire les signes du destin et vivre sa légende personnelle. Donc arriver à voir ce que le destin nous met devant notre route et puis composer par rapport à ça. Donc voilà, enfin, bref, après c'est des choses de philosophie. Et puis au niveau de la philosophie, après un tour du monde, fait aussi qu'on développe une philosophie de vouloir aider les autres. Parce qu'un tour du monde comme ça, si ça avait été que du voyage, 5 ans, ça aurait été long. Moi, si j'ai pu tenir 5 ans aussi, c'est parce que j'aidais aussi d'une certaine façon. Enfin, je me rendais utile quelque part. J'avais l'impression, en tout cas, de me sentir utile, que ce soit à travers le projet pédagogique, les journées de rencontre, à travers le partage de l'aventure, etc. Et ça, c'est vachement important d'avoir cette sensation. Et puis, quand on voyage comme ça, on se rend compte à quel point on est des vrais privilégiés. Et qu'on prend une claque dans la tête dès qu'on sort un peu de notre petite Europe. Donc, et on sent qu'on peut jouer un rôle. Et donc moi, j'avais cette... En fait, pendant mon tour du monde, beaucoup de personnes m'ont posé la question « Mais qu'est-ce que tu vas faire après ce tour du monde ?» Moi, j'avais 3 mondes ouverts. J'avais le monde du business, c'est celui que j'ai appris. Mes parents sont là-dedans aussi, mes frères aussi. Donc tout me poussait à retourner dans le monde du business. Il y avait le monde du journalisme qui m'intéressait aussi parce que j'aimais écrire des articles, etc. Et le monde du développement et de la paix qui était le troisième, mais où je n'avais pas vraiment d'expérience, si ce n'est d'avoir rencontré plein d'ONG, etc. Mais c'est celle qui m'intéressait le plus. Et donc, c'est dans cette voie que j'ai cherché avant tout. Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai pu trouver le boulot à Monaco et puis ensuite créer ça, etc. Donc, je me suis rentré dans cette voie-là. Mais voilà, en gros. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire moins que 25 000 euros? Oui, il y a toujours moyen, sachant que moi, j'ai dépensé rien en transport, faisant que du stop et rien au logement, quasiment. Alors, ça m'est arrivé, ça ne faisait pas partie du défi de ne pas du tout aller à l'hôtel. Il y a des endroits où j'étais crevé, etc. J'ai vu une petite auberge pas chère, j'y suis allé. Donc, ça ne faisait pas vraiment partie, mais il n'y en a eu quasiment pas. Donc, ça, c'était surtout pour des raisons financières que je n'allais pas dans les hôtels et autres auberges, mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Après, tu peux économiser les visas, tu ne peux pas vraiment économiser dessus, sauf si tu vas dans des pays où il n'y a pas de visa. Alors, être français sur le continent Amérique, c'est très bien. Parce qu'en Amérique, du Sud ou du Nord, tu arrives 3 mois, français, c'est bon. Besoin d'aucun visa. Donc, tu vas à la frontière du Nicaragua ou du Panama ou du Brésil ou autre, facile. Par contre, en Asie, tu as besoin à chaque fois, ça coûte 50, 60 dollars. Il y en a qui sont plus compliqués, plus chers. Donc voilà, donc faire moins cher... C'est possible, si tu manges moins, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc après, ouais, tu peux toujours pousser encore moins que 5 000 euros par an. Il y en a qui le font, mais tout dépend. Il y en a même, je connais 2 personnes qui ont fait un tour du monde sans un centime pendant 80 jours. Et c'était leur défi, mais en fait, ils allaient demander aux gens dans la rue « Est-ce que vous pouvez m'inviter à manger ?» Et ça, j'aime pas trop. Donc c'est possible aussi. Ah oui, il y a ça aussi, bien sûr, de pouvoir, effectivement, il y a le woofing et autres qui permet de travailler dans des endroits et être soit rémunéré, soit pouvoir manger et dormir gratuitement. Ça, c'est le woofing, il y a Helpix, il y a Workaway. Donc tout ça, c'est des sites qui t'aident à faire ce genre de choses. Puis s'il y en a juste qui veulent être tenus au courant de Travel With A Mission, etc., recevoir la newsletter, écrivez-moi un mail à info@travelwithamission.org et je vous rajouterai à la newsletter pour ceux que ça intéresse, pour pouvoir suivre l'évolution. Il y a d'autres questions, oui. Avez-vous gardé de réels contacts avec des gens
Oui, j'ai essayé. Alors, j'envoyais une newsletter déjà toutes les 6 semaines pour les tenir au courant. Après, c'est difficile de garder contact. Après, il y a Facebook qui est arrivé. Alors, moi, je n'avais pas Facebook pendant mon tour du monde. C'est dommage d'ailleurs. Enfin, moi, je me suis mis sur Facebook en 2006, mais Facebook a vraiment commencé en 2008-2009. Donc, je n'ai pas vraiment bénéficié de Facebook pour pouvoir partager mon tour du monde. Ça m'aurait bien aidé. Mais donc après, j'en ai retrouvé un certain nombre de mon tour du monde via Facebook avec qui on garde contact autant que possible. Oui. J'en ai qui sont devenus des très bons amis, hein, notamment quelqu'un au Pérou qui est devenu un excellent ami. J'ai rencontré la femme de ma vie, comme je l'ai dit. Ça fait partie des rencontres du voyage. Donc oui, j'essaye de garder autant que possible. Des fois, j'en ai qui viennent maintenant. C'est moi qui accueille, parce que j'habite entre Nice et Monaco maintenant. Donc, si vous venez dans la région, vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Donc, oui, maintenant c'est moi qui accueille, qui essaye de prendre les autostoppeurs aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a plus beaucoup les autostoppeurs aujourd'hui. Voilà, d'autres questions? C'est terminé. Dernière question? Ben, quand j'ai été en Asie, effectivement, les problèmes de langue se sont beaucoup posés en Asie. Donc j'utilisais déjà mon document magique, ce que je montrais tout à l'heure, pour arriver à aller de A à Z, de A à B déjà, pour pouvoir avancer. Après, il y a eu des moments difficiles. Par exemple, une petite anecdote. Une fois, je suis au fin fond de la Chine. Je suis à un péage. Et j'avais mon document magique. Je le montre aux gens. Je voulais aller dans une ville qui s'appelle Yichang. Vous connaissez. Je montre le document magique. Les gens, ils me disent non. Puis d'un coup, il y a un gars qui prend mon document et qui croyait que je lui donnais un flyer et qui se barre avec. Alors j'essaie de lui courir après sur l'autoroute, mais il va plus vite que moi, donc il se barre avec mon document. Et là, c'est comme si on m'avait coupé la langue, quoi. Là, j'étais, ah merde, je suis au fin fond de la Chine, il n'y a personne qui parle autre chose que chinois. Et je voulais aller à Yichang. Et le problème, c'est qu'en chinois, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui parlent chinois, mais il y a 5 tons. Donc Yichang, ça ne veut pas dire la même chose que Yichang, Yichang, j'y connais rien, mais. Et donc je demandais aux gens, Yichang, Yichang. Ils ne comprenaient pas et puis, bon, ils ne calculaient pas. Donc, je passe des heures et des heures, 6, 7, 8 heures comme ça, à galérer dans la station, enfin, pas la station, dans le péage. Donc, les gens, ils passent vite et je lui dis, mais je ne vais jamais sortir d'ici. Et puis, finalement, il y a un gars, un chauffeur de camion, il dit, tiens, 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 tiens. Donc, je monte rapidement, on arrive, on fait un peu de route. Puis, d'un coup, après, il y a 2 routes différentes, mais les panneaux, alors, il y a des endroits où c'est écrit en anglais, mais là, c'est que écrit en chinois. Donc, tu as cette direction, mais moi, je n'y connais rien dans les. Et donc, je lui fais Yichang, 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 Yichang. Donc, on avance 50 kilomètres, sauf que je me rends compte plus tard qu'il aurait fallu aller dans cette direction. Donc, après, je dois descendre, je traverse l'autoroute, je repars dans l'autre sens, machin. Enfin, c'est tout un bordel. Bon, ça fait partie de ces jours où il faisait froid et tout. Et là, ces jours, tu te dis plus, mais qu'est-ce que je fous là? Donc, il y a eu des moments difficiles comme ça. Et la langue a été souvent. Ne serait-ce que quand tu es au fin fond de la Chine, tu cherches un cybercafé, par exemple. Il y en a plein? Mais tu sais pas où ils sont. Tout est écrit partout en lettres chinoises. Ou alors souvent, quand tu es au fin fond de la Chine, les gens, ils me parlaient en chinois. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui ne parle pas chinois. Donc ils me parlaient en chinois. Je disais, ah, je comprends pas, je comprends pas. Alors ils me parlaient plus fort, croyant que je vais comprendre. Mais je comprenais toujours pas. Après, ils disaient, alors attends. Et puis ils prenaient un bout de papier, ils m'écrivaient comme ça, ils me montrent. Je ne comprends pas. Et ils disaient, ah ben. Donc voilà, c'était toujours un peu frustrant, mais on s'en sort toujours autant que possible. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été présent et puis bonne soirée à vous.